Voyons voir si j'arrive à deviner, juste au son de la voix, la couleur de peau ainsi que l'origine des passants. Hi guys, welcome back to my channel. Bienvenue aux nouveaux et aux anciens, je suis ravie et très très excitée de vous faire une vidéo aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir là, je suis dehors, donc on est totalement hors dehors de ma zone de confort, ma chambre. Et aujourd'hui en fait, j'ai eu envie de faire une vidéo très spéciale avec Vice qui est derrière, je vais vous présenter tout à l'heure. On va essayer de deviner l'origine, la couleur de peau des personnes juste à l'aide de leur voix. Je vous explique très très rapidement comment l'idée m'est venue. Il n'y a pas très longtemps, j'étais au téléphone avec Amazon et genre je suis restée au moins 30 minutes et j'exagère pas avec le mec. Et à force de parler avec lui, je me suis dit mais en fait il ressemble à quoi? C'est un quoi? Un rebeu? Un blanc? Un... je sais pas, tu vois. Après je me suis dit mais Penola, est-ce que tu peux même réussir à deviner la couleur de peau, l'origine de quelqu'un juste à l'aide de sa voix? Est-ce que c'est possible? Dites-le moi en commentaire si vous pensez que c'est possible ou pas. Mais en tout cas aujourd'hui on va voir ça ensemble. Et donc voilà, j'ai hâte, je ne sais pas sur qui je vais tomber, ça se trouve sur une de mes abonnées hein. Ou peut-être sur, je sais pas, sur ta cousine, peut-être que tu verras ta cousine, ton frère, ta soeur, ton mec avec une autre meuf, je sais pas, mais en tout cas j'ai hyper hâte de la... Juste avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, Sista Broda, mais qu'est-ce que tu attends, c'est la famille ici, hein, tang 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 tang. Je t'invite à le faire ainsi que de cliquer sur la cloche de notification, comme ça tu te courant dès que je poste une vidéo, à liker cette vidéo si t'aimes bien le concept, un peu le délire, un peu de parfum, on n'oublie jamais, hein, même dehors. Vous sentez, non? Ça sent bon, hein. Ok, let's get into it. Là c'est Vice qui va commencer. Donc il va mettre... Bah franchement, moi je pense pas trop me planter parce que on sait, je sais. Attends, j'ai une question. Vas-y. Selon toi, les noirs ils parlent comment? Imite la voix d'un noir. Non, oui, ça, non, j'avoue, je sais pas, je pourrais pas imiter. Mais je sais que je vais reconnaître. En fait, bon, je dis pas mes techniques, sinon en fait tu vas voir. Mais qui tu petit. On verra si moi je vais gagner de toute façon. Non, c'est moi qui ai gagné. Hashtag team Vice. Non, team Pino. Ok, donc là je vais à la chasse aux passants afin de faire deviner leur voix à... afin de faire deviner leur origine grâce au son de leur voix à Vice. Donc je ne sais pas qui voudra bien participer à la vidéo. Oh putain, j'ai honte. Oh là là, on dirait une gogole. Bon, je fais une gogole. Et je sais pas à qui demander en fait. Je sais pas à qui demander. Oui, vous voulez rentrer dedans? C'est quoi comme film? Vous voulez rentrer dedans? Non, c'est quoi comme film? Bonjour. Salut, ça va? Enchanté tout le monde. Alors je fais un jeu avec mon ami qui est juste là. Ouais. Il doit deviner l'origine juste avec le son de votre voix. Vous voulez participer? Vas-y. Allez, bon, on y va. Ok, donc ça c'est la première personne. Je suis mort. Alors attends, déjà avec le ah, tu dis c'est un quoi? On se check ou pas? Attends, déjà juste avec le ah, tu dis c'est un quoi? Non, je t'abuse, direct comme ça d'entrée dans la... C'est okay. Bon quoi? Oui, ça va. Ouais? Oui. Ouais, tu joues une voix bizarre là déjà. T'es relou là. Pas normal. Tu fais quoi du coup là ici? Je suis en vacances. Bon, déjà, ce n'est couleur pas de peau. Ce n'est pas un blanc. C'est un. Ouais, heureusement. Noir. Oh le. Non? C'est pas ça? Pourquoi noir? Non, mais je suis pas gêné, mais quand je dis c'est un noir. T'es sûr que ton pote il est bandé? Non, la tête de merde. Non, je vois rien du tout. Non, okay. Quelle non, origine? Mais moi déjà je le vois, j'arrive pas à savoir l'origine. Ah. Camerounais. Les Congolais. Guédicamère, Congo, Côte d'Ivoire. Ça? T'es voir rien? Yeah! Ah, mais comme lui! Putain! Enlève ton bandeau, du coup. Ah, ah non, il y a son ami. Ah, ouais, ouais. Il y a son ami. Bonsoir, ça va, tu vas bien? Oh là, ouais, ça va, toi? Il te serre la main. Ah, excuse. Ok, déjà c'est pas un noir. Je le sais déjà. Ouais, ok. Je suis chaud ou pas? Ça va. Il a dit c'est pas un noir. T'as suivi la canne ou pas? Un peu de loin, j'étais pas vraiment dans la canne, mais de loin un peu, ouais. Ouais, bon, ça confirme. Déjà, j'avais dit que c'était pas un noir. Ok. C'était un blanc. Ok. Vice, enlève ton bandeau, enlève. En fait, je me suis fait avoir par les questions. Quand je disais, t'as suivi la canne et tout. Merci beaucoup les garçons, ouais, c'est très gentil. Alors. Mais attends, j'en ai trouvé un quand même.
j'en ai trouvé un quand même. T'es déçu ou pas? Ouais, je suis déçu du deuxième quand même. J'aurais cru, enfin j'étais grave à fond en fait. Mais ce qui est... Je fais une vidéo avec mon ami. Ouais. Il est assis là-bas, il okay. a les yeux bandés. Ouais. Et en fait, à l'aide de ta voix, il doit deviner ton origine. Ah ok, ça filme. Ouais. Ok, donc là je peux parler en fait. Oui, 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 et il m'écoute en fait. Non, il t'écoute pas. Et il m'écoute pas. Pas encore, okay. Pas encore. Ça marche. On va aller le voir. Par contre, s'il perd, c'est quoi l'enjeu en fait? Bah s'il perd, c'est que c'est un con. Ah bon? Quelle origine? Tu veux que je te le dise là? Oui, à moi, bah oui. Ah oui, algérienne. Algérien, ok. Salut, ça va? C'est quoi, je t'entends dans ma vie? Bah je suis manager en fait, dans le domaine aéronautique. D'accord, cool, intéressant. Tu voyages beaucoup ou pas? Ah j'adore voyager, ouais. Ah ouais? Ouais. T'as été où récemment? Ah, je suis parti aux États-Unis, à Cuba, en Chine. Mmh. Et t'as été en Afrique ou pas? Ah pas du tout. Jamais? Ouais. Premier pronostic même. Ouais, tu peux te permettre, hein. Lâche-toi. T'es pas noir. T'as beaucoup de cheveux ou pas? Je sais pas pourquoi je dis ça. Vas-y, d'origine espagnole. Peut-être. Bah, caucasien d'origine espagnole. Enlève ton bandeau. Espagnole. Attends, y'a pas une deuxième personne? Ah si, bah si, Ordo, je me l'ai dit. Attendez, après, on le voit. T'habites dans quel département? 9-2. Ok. Nanterre. Ouais. Ok. Ça m'aide beaucoup. Allez, premier pronostic, tu dis ça quoi? Au son premier de sa voix. Premier pronostic, au son de sa voix. Ouais. En fait, je dirais pas. Au son de sa voix, mais dans son attitude. Ouais. Genre, j'ai senti son attitude en fait. Waouh. Bon, là, je suis chaud. Attendez, laissez-moi okay, essayer mon bandeau. Ok. Alors, okay. Attends. Ok. Qui s'est assis, le book, tu vois, ouais. Je vais checker. Ouais. Quand je dis, je sais pas, j'ai entendu, enfin, j'ai senti son attitude. Il y a un Renoir. Ok. C'est un Renoir. Je dis ce que je ressens. Voilà. Et pour l'origine, je sais pas du tout. C'est un Sénégalais. Selon moi, c'est un Noir. Et c'est un Noir d'origine sénégalaise. Ok, enlève ton bandeau. Putain, je vais mourir aujourd'hui. Oh non! Un Algérien, c'est ça, hein, du coup? Algérien? Non, je suis Marocain. Un Marocain, un Algérien d'origine espagnole. Ouais! J'aurais dû parler de la canne, putain! Elvis, il est trop nul, mais j'en suis sûre que comment je vais le faire, je vais tout gagner. Ok, alors j'ai trouvé deux charmantes dames, juste ici. Alors dites-le-moi à moi, de quelle origine? Alors moi, je suis franco-ivoirienne. Ma mère okay. est bretonne et mon père est ivoirien. D'accord, et ivoirienne. Vous? Ivoirienne aussi. Ouais. Il y a beaucoup d'Ivoiriens dans cette vidéo. Hein. Mettez votre drapeau en commentaire, les Ivoiriens. Place. Bonjour. Bonjour. Sinon, t'as quel âge? Moi, j'ai quel âge? Ah ouais, comme ça, direct. Ah, direct, pas alors, j'ai 40 ans. Ok. Sérieux, ça s'entend pas. Je sens quand même une personne très sage, tu sais, genre calme. Sinon, tu fais quoi dans la vie? Visuel merchandiser chez H&M. Le département. Vice, c'est un pronostic, là, déjà ou pas? Non, toi tu veux. Non. Hey, je donne pas de pronostic maintenant, attends. Imagine une personne avec la peau mate, pas d'accord. La peau noire déjà. Avec des cheveux lisses, posée comme ça, tu sais, genre la personne grave calme et tout, posée. Pas mal pour le coup, c'est vrai que. Salut. Ça va? Très bien et toi? Ouais, ça va. J'aime bien la voix déjà. Oh. Ah, c'est gentil. Ouais. C'est vrai qu'elle a une voix pétillante. Moi j'imagine une noire, mais je sais que c'est pas une noire. Okay. En fait, c'est sa voix. Ah, ok. Ok. Ah, donc t'es pas noir pour moi. D'accord. Vice. Ouais. Enlève ton bandeau. J'aime pas quand tu me dis ça, parce que quand tu me dis ça, c'est pas bon signe. Putain, j'en ai marre. Je sais pas. La voix. T'avais raison à la voix, pour tu vois. Pour moi, c'est pas une noire. Bah ouais. C'est une franco-ivoirienne. Et elle, c'est une Ivoirienne. Et oui, c'est ma sœur. Waouh, c'est pas vrai. Ouais, okay. Dire on va voir la team Péno parce que là... Peut-être qu'il m'est plus, hein. Ouais. Bonjour. Salut. Vous allez bien? Très bien, mais du coup, faut pas que je parle, non? Non, bah, si, elle doit... Ah, si, c'est par... ok, d'accord. Ouais. C'est un blanc. Vas-y, tu peux enlever ton bandeau, non bandeau. Je me sens pas un espagnol. Je... Ah. Attends, t'as des boucles? Vas-y, imagine ton espagnol. Non, en fait franchement... J'ai pas de boucles. Ah, j'imaginais grave avec des boucles blondes, en fait. Blondes, genre des petites bouclettes et tout. Ah, pas du tout comme j'imaginais. Hello. C'est un noir. Et pourquoi? Parce que c'est un comédien hello d'emblée comme ça. Nous les Africains on aime trop ça. Attends, je continue. Attendez, j'en peux plus. C'est vrai ou pas? Bon, c'est vrai, c'est un noir.
C'est, nous les noirs on est trop taquins, on est trop dans le dans la rigolade de hello, ça c'est sûr ça en fait, on est trop comme ça. On a trop la joie de vivre en fait. Comment tu t'appelles? Ou bien ton prénom il est révélateur un peu de ton. Non, Kevin. Kevin? Kevin? Oui. Vas-y. Quel âge Kevin? 21 ans. 21 ans? Tu vois quoi dans la vie Kevin? Pas Kevin. Je suis à l'école. À l'école? Ouais. En quoi? En gestion? Ouais. J'aime trop ta voix. Vraiment une belle voix. On te le dit souvent? Souvent, ouais. Ah ouais? Ouais. Tu peux te lâcher un peu plus, je pense que t'as un peu de retard. Un Sénégalais? Non. Congolais? C'est ouais. Ça? Ouais. Je suis okay. Trop forte. Je suis trop forte. How are you? Good. How are you? Fine. This is white people. Why? Because her hands. What? Yeah. I don't know. But I just feel like you're white, honey. Spanish? No. French? A little bit. Oh, really? Can I see her? Yeah. Oh, you're so cute. Thank you so much. Yes, thanks. Ah, mais il parle français? Ouais, il parle français là. Désolé, tout à l'heure j'ai eu des anglais, donc je suis dans le mood américain. It's okay, it's okay. It's okay. Tu peux t'asseoir là? No, it's good. C'est un Renoir. Comment? C'est un Renoir. Ouais. Hein? Ok, ouais. Tu peux lui répondre, hein? Tu veux lui poser des questions? Oui. T'es Renoir? Oui. Je vous avais dit, nous les Noirs, on a trop la joie de vivre. Juste parce qu'il a dit hello. Juste. Ouais, mais je te promets, mais regarde, mais la fois j'ai raison. Okay. La prof, j'ai raison. Le prochain genre, ouais, il a dit hello et puis il est vite rentré dans mon délire en fait. Tu vois? Ok, vas-y. Ça veut dire qu'on avait le même délire déjà. Le même, tu vois? Tu vas bien? Bien et toi? T'as une belle voix. Ah, merci. C'est le genre de mec, tu sais, à 20h au téléphone avec sa copine. Ah, tu sais. On dirait c'est même ça, hein, c'est comme elle a réagi là. T'es sur les réseaux sociaux? Oui. C'est quoi ton réseau social préféré? Twitter. Twitter? Ouh, oh, le réseau du diable. T'as déjà été incendié sur Twitter? Oui. Oh, pourquoi? Ah, raconte-moi, affaire-moi. Bah, sur une fille, j'ai juste dit, t'as des poils. Et elle m'a dit. Et donc, du coup, tous les féministes sont venus sur moi et moi. T'en as retiré une leçon? Ben, je ne dirai plus rien sur les filles, sur les femmes ou sur quoi que ce soit en fait. T'as un entier? Tu peux répondre? Non. Non? Oh, ok. Ok. Déjà là, tu t'es trompé. Ah. Ouais, je me suis trompé. C'est pas un métis? Bon, moi, de ce que je vois pas de métissage. Tu vois pas de métissage? Mais il peut te répondre, peut-être qu'il est métissé. T'es un métis? Non. Non? Non. Africain 100% genre? Oui. Pour le coup, je l'avoue, ça m'étonne. Moi aussi, là, moi aussi. Ah, tu vois? Tu vois? Ah, donc si moi, les yeux bandés, ça m'étonne et que toi, franchement, ça m'étonne. Non plus. Congolais? Non plus. Sénégalais? Non plus. Malien? On dirait, on va jamais trouver là. Éthiopie? C'est en Afrique, l'Éthiopie? Ouais. Ah. Les bêtisiers de Pénon là! Mais je suis tellement nul en géographie. Une fois, j'ai dit, c'est quoi la capitale de Paris, s'il vous plaît? Oh ouais, non, je suis vraiment nul en géographie. Dis une dernière, après tu donnes ta langue au chat. Comorien. Non plus. Oh, j'avoue, mais pas mal. J'avoue, j'aurais dit Madagascar. C'est pas ça. T'as gagné. Ah, j'avais gagné. Ah. Je sentais chanter un truc de. Genre, je sais pas, chanter les petits mélanges. Enfin, je sais pas, un peu des îles façon. En fait, j'ai dit entier au début. Je savais que c'était un truc un peu. Pas l'Afrique noire, genre de l'Ouest congolais et tout. Je suis moitié malgache. Ils sont bons. Oh. Tu l'as volé à qui? Et comment tu t'appelles? Bien, c'est révélateur. C'est révélateur de ton origine. Ouais, oui et non. T'as pas de pronostic là? T'as pas de pronostic? Si. Alors, je sais qu'il y a des pays qui aiment bien donner des prénoms qui on sent, tu vois. Ah, déjà, c'est noir déjà. Mais je dirais pas, je pense pas que je dirais Madagascar comme son ami. Je pense pas. Congolais? Ouais. Mais pourquoi? Attends, stop! Tim Pénon! Est-ce qu'on me peut, moi? Tim Pénon! Attends, stop! Pourquoi? Attends, pourquoi congolais? Parce que c'est les congolais qui me donnent des noms compliqués à leur enfant! Mais non! Je suis trop chouette! T'es subtil, toi! Tu peux enlever ton bandeau, c'est bon!
Tu reçois gratuit un peu. De ouf, de ouf, de ouf. Là, c'est vraiment en plus beau, en plus beau. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette vidéo? Est-ce que ça veut dire qu'on peut deviner l'origine de quelqu'un grâce à sa voix? Je pense que si c'est toi, tu dirais non. Parce que t'as perdu. Ouais, j'ai perdu, et ouais, si, mais... Et si c'est moi, j'aurais vu, wesh. Et moi, j'étais sûr de moi, en fait. Genre, mais miskin. Parce que... Mais miskin. Bah... moi, je pense qu'on peut quand même deviner l'origine de quelqu'un grâce à sa voix. Je pense vraiment, parce que j'ai quasiment tout trouvé. J'avoue, toi, au final, tu peux le faire. Ouais. Après, peut-être c'est une capacité ouais, que... Ouais, je pense, que... ouais. Je pense que ça dépend des gens. Ouais, voilà. Je pense qu'il y en a qui en tout sont cas, capables je l'ai pas. De... Ouais, je pense qu'il y a des gens qui sont capables de trouver l'origine de quelqu'un grâce à sa voix et d'autres non. Maintenant, moi, c'est vrai que je me suis aussi beaucoup basée sur des préjugés, comme par exemple les Renois qui ont toujours la joie de vivre. Alors qu'en fait, ça peut être faux. Il y en a qui doivent peut-être des fois être dépressifs, je sais pas, tu vois. Mais quand je parlais que le Hello, là, c'était vrai, hein. Le, ouais. Genre les Renois, on rentre trop dans le ouais, nous et franchement nous les Renois généralement on rentre on trop vite dans l'ambiance et de ouf. Donc si cette vidéo vous a plu, bah n'oubliez pas de liker ainsi de vous abonner à la chaîne YouTube de Vice, donc c'est Vice écrit BRB, c'est juste moi. Ici ainsi que son Instagram, c'est écrit juste Vice ici BRB. Ainsi que de me suivre aussi sur Instagram Lawson Penola et sur mon Snapchat Penola228229. Non, je parle trop vite. Penola 228 220. Et c'est compliqué aussi mon pseudo snap. Ouais non, ton snap il est trop long. Dommage qu'on peut pas changer les pseudo snap là. On peut même pas changer les pseudo snap. Non on peut pas. Non, on peut pas. Non bref, du coup bah vous verrez aussi bah du coup une vidéo qu'on a tournée ensemble. Sur ma chaîne. Sur sa chaîne. Ça sera une vidéo en fait où on demande aux gens, aux passants, de nous noter physiquement sur 10. Ça promet. Donc allez voir si. Allez voir si j'ai reçu des 0. Ça va nous clasher. Des 10. Ça fait clasher. Des 5. Bisous. Salut, ciao.